du piment, de la pâte de maïs, du poulet local braisé. De quoi donner un appétit à ce public réuni ici au Sémola à Boïcon. Ce centre abrite le lancement de la 5e édition des saveurs locales du zoo. Elle s'insère dans la série d'activités entrant dans le cadre du mois du consommant local co-organisé cette année dans le zoo par plusieurs acteurs publics clés. Les saveurs locales du zoo se veut être un événement ludique, festif et identitaire, un événement économique et fédérateur autour des valeurs communes dans le zoo. C'est la célébration des créateurs de richesses dans nos hameaux, villages et villes, qu'ils soient membres du réseau BEST ou non. Il s'agit principalement d'un rendez-vous annuel autour d'une vision partagée de promotion du Made in Benin. Cette 5e édition des saveurs locales consacre le lancement officiel de la marque de poulet Zado, un poulet produit à Zado dans la commune de Zobodome. Le poulet Zado, c'est un poulet issu du croisement d'un coq warren importé. Les coqs warren, ce sont les coqs blancs là, avec les femelles locales. Mais on a sélectionné des femelles bien évasées, les femelles rollies par exemple, les femelles peules, pour faire le croisement. Donc, c'est ça qui donne le poulet Zado. Ce sont des poulets élevés sur 4 mois pour avoir des poulets bien charnus. La visite des stands de ces produits fabriqués dans le département du zoo marque également le lancement de la 5e édition des saveurs locales du zoo.